Alors bonjour à tous et bienvenue sur Erreur 404. Et pour cette nouvelle interview 404, on est en présence de Man et Baek Sun-hoon, donc les auteurs et illustrateurs de Dokko, un webtoon phénomène en Corée. Alors bonjour à tous les deux. Et on va aussi dire bonjour à Kim, notre traducteur ici. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Donc c'est Baek Sun-hoon, le dessinateur de Dokko, et Min Ryong-seok, qui est scénariste de Dokko. Alors du coup, vous êtes auteur du webtoon à succès Dokko. Alors qui est-ce qui a eu l'idée de Dokko en premier? Comment est-ce que cette idée est venue? C'est vrai. C'est lui. Alors, il y a eu un fait divers en Corée, donc il y a eu le suicide d'un lycéen qui avait subi du harcèlement scolaire. Et en suivant l'actualité, il a trouvé le sujet. Et du coup, pourquoi avoir travaillé ensemble, toi et Baek, sur ce projet? Est-ce que vous vous connaissiez avant, ou est-ce que c'était un coup de cœur au niveau de son travail, quelque chose comme ça? Ils ne se connaissaient pas, et c'est l'agence de production de Toei Dream qui leur a couplé les deux. Ils se sont rencontrés, et respectivement ils sont plus, donc ils ont commencé à travailler ensemble. D'accord. Et donc ça fait combien de temps maintenant que l'aventure Dokko a commencé? En décembre 2012. Donc ça fait déjà maintenant 5 ans, c'est maintenant 4 ans, un peu de 4 ans. Donc du coup, donc depuis tout ce temps, il y a eu 90 chapitres, si je ne me trompe pas. Et Dokko donc, a été une grande réussite, il y a eu un grand engouement envers le manga, surtout en Corée. Donc c'est sûrement en partie grâce à son scénario, etc., son dessin. Il a un format aussi agréable, parce que le webtoon c'est bien en vogue en ce moment. Même en France, ça commence avec la plateforme Dailytoon, là où vous êtes justement publié en France. Donc est-ce que vous attendiez à un tel engouement au début, quand vous commenciez Dokko? Est-ce que vous êtes dit, vous étiez dans l'optique vraiment, ça va fonctionner, on va faire quelque chose d'incroyable? Ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a demandé, est-ce que t'as prévu? Tu veux dire, bon, non, pas du tout. Donc il s'y attendait pas du tout. D'accord. Alors par exemple, si vous pouviez vous identifier un personnage de Dokko, lequel ce serait et pourquoi? Oui, pense à Jungwoo, donc c'est un des souffre-douleurs, parce que il est faible. Et le dessinateur, il pense à Taehoon, donc c'est un personnage un peu rusé, mais pas très gentil non plus, méchant et rusé. Et alors pour ce qui concerne la patte graphique de l'œuvre, c'était un style que tu avais avant, Baek, ou c'était plutôt pour ce manga tu t'es mis à dessiner de cette façon parce que c'est ce qui t'intéressait, ou c'est ce que tu trouvais qui allait coller, ou peut-être c'était un accord commun avec l'auteur? Son dessin a toujours été un peu rough, donc très brut. Et au début de la publication, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en disant que ça ressemble plus à un brouillon qu'une œuvre terminée, mais il a continué d'assister, c'est devenu son style. Très bien. Moi, c'est un style justement qui se démarque des autres. C'est sûrement ça aussi qui a permis d'avoir ce succès. Il me semble que Dokko maintenant, c'est une œuvre terminée. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets sur le feu, ensemble ou séparément? Alors, Dokko, avant tout, c'est un univers composé de plusieurs séries avec plusieurs personnages. Donc, il y a la série Dokko, il y a la série Tong et la série Blood Rage, où les personnages se croisent, s'affrontent entre différents univers. Et notamment aujourd'hui, Webtoon a mis en ligne le préquel de Dokko qui s'appelle Dokko Rewind, qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur Webtoon. L'univers est composé de plusieurs séries, déjà. D'accord. Voilà. Et donc, il prévoit d'autres séries dans le même style pour encore agrandir l'univers, ou bien continuer dans ces séries-là déjà? J'ai déjà une préférence, une idée de comment ça va poursuivre en fait. Sur chaque univers et chaque série, ils ont déjà prévu la fin, donc ils ont une idée assez claire d'où ils veulent aller. L'univers principal aura 9 titres. D'accord, donc il y a encore de quoi faire. Ouais. Et ben en tout cas, merci à vous pour vos réponses. Alors nous, comme on est sur Erreur 404 et qu'on aime bien tout ce qui est multimédia, vidéoludique, on va vous poser quelques questions un peu plus personnelles afin que nos lecteurs et nos viewers arrivent mieux à vous cerner, à voir un peu vos influences, choses comme ça. Alors, si vous deviez choisir un manga, lequel ce serait? Takehiko Inoue, il a fait Slam Dunk. Ah, Slam Dunk, d'accord. Ouais. Okay. Capitaine Harlock, pour lui, en ce qui concerne les mangas. D'accord. Et maintenant, on sait qu'en Corée, on aime souvent bien les jeux vidéo. Alors, quel est votre jeu vidéo préféré? Dark Souls, pour lui. Et Diablo. Diablo, c'est deux bons choix qu'on aime aussi.
Et ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. On vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Donc on peut retrouver le manga Dokko sur Dailytoon en France sous la forme de webtoon. Et d'ailleurs, petite anecdote, près d'un Coréen sur deux regarde des webtoons de nos jours, un chiffre plutôt hallucinant.